Ok. Ouais. Et salut Thunder. Et merci pour le sub. Comment ça? Et salut Guénon. Comment ça? Plus vite. On va essayer. Hier j'aurais dû faire un PB hier soir. Sauf que malheureusement j'ai eu un soft lock sur la sur le chargement de salle du boss de fin. Du coup la run est morte sur le boss de fin. Un peu triste. J'ai demandé sur le Discord, apparemment c'est quelque chose de très rare et c'est full random. Du coup, le jeu qui m'a vraiment dit non, ce sera pas un PB, désolé. J'allais avoir un PB de 15-20 secondes à peu près. Mais bon, tant pis, c'est le jeu, c'est la vie. Eh ben ça va. Réveil un peu dur, mais ça c'est comme d'hab, hein. J'ai envie de te dire. Toujours fatigué le gentifa. Donc là c'est le dernier jour pour essayer de faire un PB sur le All Skill pour préparer le tournoi. Parce que comme le tournoi va être seedé par rapport au PB sur speedrun.com et le seed se fait demain, donc il me reste plus qu'aujourd'hui pour essayer de faire un sub 54 avant le lancement du tournoi. Ça, c'est pas mal comme début. On est bien.
C'était quoi ce raté là? C'est pour ça que je t'ai dit d'aller plus vite. Mais oui, j'essaye pourtant. Je fais ce que je peux. Voilà, j'ai fait n'importe quoi ici. Faut vraiment que je réapprenne à gérer les projectiles. Parce que là, il me l'a envoyé loin et fort. J'aurais dû taper vers le haut, peut-être. Je sais pas trop. D'ailleurs, j'aurais dû en profiter pour mettre un hit sur le deuxième qu'il a invoqué. Parfait. Comme ça, j'en ai deux en hit. D'habitude, je suis plutôt à 100. J'en ai un peu moins que d'habitude. Ouais, voilà. Bon, ça compense du coup. J'ai pas eu le double hit encore. Donc ici, vu que j'ai plus d'âme. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et après ça fait 1, 1. Et le dernier, il sera sur le guerrier moussu. Ok, très bien. Le petit pari qui m'a permis d'éviter 3 hits. En vrai, on est plutôt bien niveau thune. Enfin, niveau thune, niveau HP. On s'est pas fait toucher. Je fais pas un mauvais boss, il y a moins que ce soit un gold. Mais c'est pas encore dit ça. Après j'ai une mauvaise RNG au niveau des guerriers dessus. Bon, déjà ça commence pas très bien. Il est dégueulasse le combat. Elle a pas arrêté de sauter méga loin. Elle a pas arrêté de faire n'importe quoi. Putain. Bon bah le gold, rip, merci Hornet quoi. C'est vraiment dégueulasse quoi. Elle a pas arrêté de se balader partout. À aucun moment j'ai réussi à la bloquer contre un mur. C'est incroyable.
Pas ouf, mais pas grave. Voilà, là c'était très bien comparé à hier soir. Hier soir c'était tout le temps juste, et là c'était bien. Là c'était très bien. J'ai failli lui foncer dessus. Et salut Brumtor, comme ça. C'est vraiment plus intéressant de le faire en pogo quand il monte que en sautant par-dessous. En route pour le sub 54, bah, c'est l'objectif, ouais. Oh, ça c'est bien ça. Alors je dis pas que je vais y arriver tout de suite, mais ouais, c'est mon objectif que je me fixe. Hier soir j'aurais pu l'avoir. Ça serait pas joué à grand chose, mais j'aurais pu l'avoir. Mais j'ai eu un soft lock sur le sur la salle du boss de fin. J'ai eu un temps de chargement infini et donc j'ai été obligé de quitter le jeu et de le relancer. Et du coup je pense, enfin du coup la run elle est invalidée dans ce cas-là. Je me suis assis sur le banc. Oui. J'ai eu un doute. Parce que là, t'oublies de te mettre sur le banc, c'est dramatique, hein. Ouais, dommage pour Softlock, mais bon. Tant pis, hein. Après, j'ai demandé quand même sur le Discord, apparemment c'est quelque chose de très rare. Et c'est vraiment random quoi, j'ai juste pas eu de chance. C'est vraiment le jeu qui sur le moment a décidé de pas me laisser pibi. Mais bon, tant pis. De toute façon, je vais bien réussir à le refaire.
Disons que j'ai de la marge pour le sub 54, donc il y a moyen de faire même mieux, donc c'est pas très grave, mais c'est vrai que bon, ça met un petit coup au moral quoi. Parvient à le faire, la mise en aventure du softlock sera vite oubliée. Oui. Le problème, c'est que maintenant que je l'ai une fois, alors c'est la première fois que je l'ai depuis que je run le jeu, donc avec toutes les runs et 10% que j'ai fait, comprises. Mais maintenant que je l'ai une fois, je vais pas arrêter d'y penser à chaque fois que je vais arriver en fin de run, en PB Pace. Pas d'acheter ici, c'est pas grave. Que je suis une deuxième fois. Oui, c'est sûr, mais bon, on sait jamais. Hein. Moi et la RNG, des fois, on n'est pas copains. Hein. C'est. Comment ça s'appelle? Le plus drôle, c'est que je l'ai vu deux fois dans la même journée. Parce que dans la journée, je regardais pendant le télétravail quelqu'un qui renaît aussi le jeu. Et pareil, il est arrivé en PE Pace et. Chargement infini. Du coup, je me suis dit, merde, putain, c'est chaud. J'espère que ça m'arrivera jamais. Et hop, le soir même. Trop content. Mort vite! Et yo Vlad, comment ça va? Pousse-toi. Ok. Voilà, The Floor is Lava. Objectif pogo sur tous les ennemis pour pas toucher le sol. Pas sans que tu as sub 50. Ah, ça c'est sûr. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Heureusement que ce n'est pas mon objectif. Sub 50, il est encore tellement inaccessible pour moi. Comme ça.
Il faut faire comme le moindre cœur. Ben j'essaie de faire comme lui, hein. Je me suis basé sur sa run, hein, pour apprendre. Eh. Attends, pas folle la guêpe. J'aurais plus de gold si j'avais pas galéré à monter. Dommage. Je faisais plus 0,8. J'ai dû me reprendre à 3 fois pour le wall jump. Très grave. Le plus important ici, c'est de pas se faire troller par le monsieur là-bas. Déjà par lui, pour commencer. Ah, ça commence bien. Bon, là, déjà, je perds du temps parce que je fais nimp. Mais c'est surtout par lui, là, ce petit bonhomme là. Très bien. Au moins lui il a pas troll, c'est déjà ça. J'ai raté le conteneur d'âme. Même si j'en ai pas vraiment besoin, ouais. J'aurais pu l'éviter. Allez, elle bossu, pro tips. Ah, y a pas le bot de Zigou ici. Des os, pas des os. Je pense trop tôt, j'ai l'impression à chaque fois. Bon, c'était pas le plus rapide, mais c'est encore ok. Aïe aïe aïe. Du coup, Vlad, c'est quand que tu fais du Hollow Knight? When is le world record de Vlad en Hollow Knight? Il y a 15 secondes de perdu sur le best ici. Incroyable. C'est dur à apprendre le 10%. Ouais, y a. Enfin, t'as. En vrai, la route ça va. Après, il y a une route safe à prendre au début pour moi, à mon avis. Sinon, comme Lydia, tu vas galérer. Mais après, t'as surtout un énorme barrage, mais vraiment un très très gros barrage, qui est les Watcher Knight. Après, derrière, t'as le boss de fin qu'il faut apprendre à faire, mais en vrai, ça va encore. Mais non, je pense que ça c'est impressionnant à voir, je pense. Et ça a l'air difficile, mais avec des setups, les techniques se font, en vrai. Après, c'est vraiment gérer les boss, surtout. Umu, il est pas dur si t'essaies pas de faire des 2 cycles, 3 cycles. Si t'essaies juste de le tuer le plus possible sans mourir, il se fait vraiment très bien. Les Watcher Knight, c'est l'énorme barrage, et après t'as. Faut les tuer. Après t'as surtout. Le nid profond. Peut être un moment un peu relou, qui est vraiment pas simple en vrai à optimiser. Coach moi. Allez, c'est parti. Alors j'ai largement assez d'argent. En plus, c'est un Hollow Knight, ce qui est bien,
tu vas kiffer parce que c'est des runs où il faut faire attention à son argent. Et je sais que t'es un professionnel quand il s'agit d'argent. Du coup, je suis sûr que la run va te plaire. Après, le seul truc chiant pour moi, mais bon, après, une fois que c'est fait, bah c'est fait, hein, t'as plus à le refaire, c'est de devoir dépatcher le jeu. Donc, en gros, faut faire une copie de ton dossier Hollow Knight. Et après, il faut appliquer un dépatch dessus. Je sais plus comment ça marche exactement, ça. Et après, t'as un dossier pour jouer avec la version. T'as un exe pour jouer sur la version 1.2.2.1 et t'en as un pour jouer sur la current patch. Et ça, je sais que c'est assez chiant, ça. Et je comprends tout à fait que ça emmerde les gens. Et salut Kersès, comment ça va? Un softlag à faire, non. C'est bon, on en a eu un. Pas deux. T'as pas envie de jouer en chino non plus, Joseph? Bah c'est comme quand tu joues à Ray of Sorrow en japonais, quoi. C'est la même chose. Une fois que tu sais où est-ce que tu dois appuyer, tu t'en fous de la langue. Tu joues pas à Ray en japonais? Ah, je croyais. Je croyais que t'étais en japonais. Ou alors j'ai jamais fait gaffe. En fait, je regarde tellement pas les langues des jeux que. Je suis en retard. On va passer par la droite. Tu drops une âme nulle, ça flingue le meaning. Ah oui, effectivement, oui, donc oui, effectivement, c'est de l'anglais. Non, t'as raison, t'as raison. Oui, bon, alors là, c'est différent. Bon, évidemment, on a trouvé l'exception à la règle. Effectivement, tu joues sur un jeu où tout ton meaning change à cause de la RNG. Mais genre, Hollow Knight, c'est strictement tout le temps les mêmes trucs que tu fais, quelle que soit la langue, quoi. Après, dans cette catégorie-là, c'est pas très compliqué parce que c'est surtout des dialogues et juste dire oui-non. Sachant que le oui est toujours à gauche, donc c'est pas très compliqué. Mais dans les 10%, t'as 2-3 achats à faire, mais t'as toujours les icônes à côté, donc tu sais à quoi ressemble l'objet que tu veux ramasser. C'est pas un problème. Pareil, quand tu prends le stag, tu sais où est-ce que tu vas aller, donc. T'as une petite carte sur le côté si jamais tu t'es perdu. Alors ici, je me concentre un peu. Grave le hit, faut juste pas que je m'en fasse toucher une deuxième fois. Et salut Asrarn. Tu vois sur la fenêtre des badges pendant de longues chutes pour réduire la durée des animations. Il y a 2-3 raisons. Attends, je passe juste cette zone et je te dis. Parce que cette zone, il faut pas que je me fasse toucher. J'ai besoin d'avoir 2 PV en arrivant à la magie. Voilà. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7.
2, 3, parce que ici, normalement on est stunlock, on peut vraiment pas bouger, et en faisant ça, du coup, on va reprendre le contrôle du perso plus tôt. On va le reprendre grâce à ce dégât. Et donc on peut se barrer pendant l'animation. Mais sinon, oui, on ouvre la fenêtre, on ouvre l'inventaire sur des longues chutes, parce que ça accélère énormément la vitesse des chutes. Par exemple, ici, tu vois que je descends vachement plus vite que là, maintenant. Et aussi, la deuxième raison, c'est quand tu fais un dash, ton perso, il termine son dash avant de pouvoir commencer à tomber. Si tu ouvres ton inventaire pendant que tu es en train de faire ton dash en plein milieu, il s'arrête instantanément et il commence à tomber verticalement. J'entends perdre du temps parce que je fais pas de menu. Et la troisième raison, c'est l'animation de chute, d'atterrissage. Quand tu tombes de trop haut, t'as une animation où tu restes bloqué au sol pendant 0,5 secondes. Ça te permet de... Ça te permet de pas avoir cette animation où tu restes bloqué au sol pendant une demi-seconde, une seconde. Et donc, tu peux instantanément repartir. Du coup, c'est les trois raisons principales de l'ouverture du menu. De l'inventaire. Ok. Toujours un peu peur de rater la plateforme. Et de tomber bêtement. Mais ouais, c'est vraiment la vitesse de chute, le fait de pouvoir tomber droit à tout moment, et l'animation d'atterrissage, qui sont utiles. Et ça, c'est un truc que tu peux plus faire dans la version actuelle du jeu. C'est pour ça qu'on joue sur une version qui est plus vieille, parce qu'ils ont corrigé beaucoup de glitches mineurs, comme le fait de pouvoir taper les leviers à travers le plafond, comme ici. Du coup, toute cette salle-là, je la fais dans le noir parce que le jeu il comprend pas que je suis pas censé être là. Parce que j'ai complètement skippé une partie de la salle. Donc du coup, c'est pour ça qu'on joue sur une autre version. Parce que c'est beaucoup plus rapide. Après, il y a des catégories qui existent en current patch. Mais c'est vrai que c'est pas les catégories les plus runnées. Montre-moi comment on fait. Alors, c'est pas du tout la même chose que les 10%. Là, je t'avoue qu'on bourre un peu. Comment on est là-dessus ? Ouais, c'était pas hyper rapide, hein. Je leur écrase la gueule comme ça, là, exactement. J'en fais des crêpes, moi, des Watchers. C'est plus la chambre. Les crêpes, c'est tous les jours. Les crêpes, c'est la vie. Ok, donc là on va arriver à mon Némésis. C'est bien parce qu'il arrive au bout d'une demi-heure quasiment. C'est pas comme si c'était c'était long quoi pour y aller. On va arriver au tunnel Spike. On va faire une série de 3 glitches. De 3 skips plutôt. Un skip qui s'appelle le tunnel Spike. Où on va s'engouffer dans un petit tunnel rempli de pics. Et 2 acid skips. Donc on va longer l'acide où on n'est pas encore censé pouvoir aller. Pour passer dessous un mur.
Les acid skip en général ça va, j'arrive à peu près à les faire. Il m'arrive de les rater mais c'est pas hyper dangereux. Par contre le tunnel spike, je peux vraiment le rater en boucle. J'aimerais bien avoir un peu d'âme au cas où. Merci. Allez. C'est parti. Ok. Troisième coup, ça me va. C'est ok. Il y a mieux, mais il y a surtout pire. Premier acid skip et le deuxième. Il passe. Alors cet ennemi, je l'envoie en l'air. Parce qu'on va faire comme tout à l'heure avec l'attaque plongeante. Voilà. Il va nous taper. Et donc ça nous permet de reprendre le contrôle du personnage vachement plus tôt. Et de nous barrer de la zone plus rapidement. Je le trouve beaucoup trop stylé cette strat. Avec la tête qui tire les deux. Hein. C'est vraiment l'un des meilleurs monstres du jeu, je trouve. En termes de design. De chara design. Alors ici, ça peut être dangereux en vrai. Je peux encore mourir. Hein. Faut que je fasse gaffe. RNG. Yes. Très bonne RNG. Je suis content. Le premier, deuxième et troisième ennemi volant, ils peuvent être sur le trajet. Et donc, me mettre en galère. C'est grâce aux bons viewers. Yes, ben merci à vous. Je suis très, très content de vous avoir parmi moi. Merci pour la bonne RNG. Et oui, on paye pour un banc. On est vraiment... on se fait avoir comme des petits rigolos. Ça c'est bien. Celui-là j'ai pas le choix. Et RNG. Oh ça passe! Ça passe de justesse. Ah, ça devient problématique, je vais me soigner. Ok, je suis vraiment le champion du monde des nuls. J'y arriverai en pas ce skip, c'est incroyable. Il a l'air tellement simple, et je sais pas, moi j'y arrive vraiment pas. C'est juste un wall jump, hein, mais il est tellement précis parce que t'as un petit plafond qui te repousse. C'est pas comme ça que je t'ai élevé, c'est toi qui m'as élevé. Ah merde. Ok, j'ai eu double hit. Ok, bon, ça me va. Devil Papa. Papa. Alors, j'ai perdu de temps, je pense, sur ce split. Ah non, j'en gagne, ok. Bon, j'ai vraiment du temps à gagner sur ce split encore. Le Knight a une ode à la mendicité avec ses dents. Rendez l'argent! Après, c'est le seul banc qu'on paye de la run. Tout simplement pour pouvoir faire ce save and quit et instantanément repartir à droite. Parce qu'on n'a pas envie de se retaper tout le trajet.
D'ailleurs, je suis sauvegardé où là normalement? Ah oui, là normalement, ma sauvegarde, si j'avais pas pris le banc, elle était en haut des Watchers. À côté du Raver. Ok. Bon, là, par contre, on va arriver sur le boss le plus dur de la catégorie. Donc, une fois que j'arriverai au boss, je vais me concentrer, je vais me taire un max. Parce qu'en plus, sur mon PB, c'est le meilleur combat que j'ai fait. Donc, pas trop le droit à l'erreur. Les boss le plus classe. C'est vrai qu'elle est plutôt très classe. Elle est très cool à faire. 1, 2, 3, 4. Allez, j'espère que ça va bien se passer. On est là où j'ai que tu fasses mieux, j'espère. Ce serait cool. Après, en vrai, ça me dérange pas de perdre du temps tant que je perds pas 15 secondes. Genre, si je perds une seconde, ça me va, quoi. Allez, je me concentre. C'est un très bon combat. Ok, non, c'est bon. Possible que je batte mon meilleur temps sur ce split. Ok, je les défonce. T'as peut-être pas tort hein, en fait sur les viewers. T'as pas tort. Ok. Alors là, il y a moyen de reprendre le contrôle tôt du personnage, plutôt que normalement. Mais si je le fais mal, ça peut invalider la run, parce que ce sera considéré comme un majeur glitch et pas un mineur. Du coup, je préfère ne pas le faire et perdre même pas une seconde. Ça vaut pas le coup de perdre la run sur ça. Donc là, Cyclone Slash, donc je retourne au stag. On va au village, on se pose sur le banc et ensuite on va au nord-ouest. C'est pas très grave ça. Ah, ça a pas marché. Je croyais que le cristal d'âge tuait quand même les mouches quoi qu'il arrive. En fait, celui-là il a pas voulu mourir. Il a préféré me faire un hit. Le dégueulasse. Ok.
Eh? To sta cucando. Gasso! Et donc là, on va arriver sur un split où il y a du temps à gagner. Théoriquement. Bam. Si sur le trajet je fais pas n'importe quoi, j'ai que du temps que je peux gagner. Sinon, j'égalise, au pire. Ou alors je perds une seconde, mais bon, au pire, c'est pas très grave, une seconde. C'est Umu. Umu. Sur le PB, je l'ai fait en deux cycles. Et il y a moyen de le faire en un cycle. Ça utilise vraiment ces attaques de combat, c'est surtout pour des optimisations de trajectoire. On les utilise pas en plein combat, mais on s'en sert pour ouvrir des portes plus vite, par exemple, des passages secrets. Mais dans la catégorie, ça fait partie de la catégorie d'aller les récupérer. C'est pas qu'on en a besoin, c'est qu'il... Enfin, c'est pas qu'on va s'en servir en combat, c'est que... On en a besoin pour valider la catégorie. Voilà, je récupère un max d'âme. Je suis pas très rapide là sur le déplacement. Donc si j'ai pas le lancé, que je peux perdre du temps, là, ça veut dire. On va tenter. Oh, il est passé. Ouais, évidemment, je prends le hit là. J'ai été surpris par le fait d'avoir réussi à passer le truc électrique que d'habitude je réussis jamais. Allez, on va se concentrer pour le lancé. Non! Là, je suis dans la merde. En plus, il y a une attaque longue encore, évidemment. Bon, ben là, je vais perdre du temps. Super. La mauvaise RNG. Voilà. Merci. Donc, voilà. La RNG m'a dit non. Encore une fois. C'est super. J'aimerais bien ne pas mourir, par contre. Non mais tu te fous de ma gueule! Tu te fous de ma gueule! Là je perds beaucoup de temps. Je perds beaucoup de temps. Pourquoi? Umu fait 3 attaques au premier cycle, il m'en a fait 4. Il a fait une extra attaque. Du coup, il était très mal placé, donc j'ai pas pu faire le setup pour le tuer en un cycle. Et derrière, sur le deuxième cycle, il tape 2 fois, et là il a tapé 3 fois, donc il a fait une deuxième extra attaque. Donc j'ai encore perdu du temps sur le pattern. Parfait. C'est pas la faute des viewers cette fois. Si, si, voilà, c'est votre faute. Merci, je pleure. Je suis vraiment dégoûté. C'est vraiment dégueulasse quoi. Là, Umu, il vient vraiment de me faire perdre 17, ouais, 18 secondes quoi. Et salut Liu Dandale, comment ça? 18 secondes perdues à cause de Umu. Incroyable. Sans compter le fait de faire un cycle. Un cycle, on se rapproche des 40 secondes quasiment. Plutôt 35 secondes, on va dire. Mais bon, ça fout la haine quoi. Je peux encore PB, hein, mais je peux encore faire sub 24. Hein. Mais bon, ça devient beaucoup plus dur maintenant. Maintenant qu'Umu a détruit mon temps, là. Là, je prends le hit pour pouvoir passer à travers l'électricité. Et là, ça va, à part ce boss qui... Hormis que tu râles pour ta reine. J'en râlais pas jusqu'à maintenant.
Et là, Umu, il vient complètement de tuer ma pace, quoi. J'avais une vraiment super bonne pace. Et puis lui, il fait nimp. C'est pas très grave, le hit. C'est pas sur cette montée que c'est grave de se prendre un hit. C'est sur la suivante. J'ai encore 20-25 secondes à gagner sur le boss de fin, donc... Plus 20 secondes à gagner sur le split des rats. Je peux encore faire un joli PB. Donc faut pas se déconcentrer, faut rester sur la lancée de tout à l'heure et pas sur Umu. On oublie Umu, Umu n'a jamais existé. Eh bien bonne course Vlad, j'espère que tu finiras premier. Drôle. Monsieur Rigolo. Ok, bon, on est repassé dans le vert, c'est ce qu'il faut se dire. Yes. Ah, c'est vraiment terrible. C'est vraiment injuste en vrai. Umu, il est tellement injuste, je trouve. On parlait de RNG hier, je crois que... Je disais que les ennemis ils sont un peu tous random, mais bon, en vrai c'est pas très grave parce qu'il y a toujours moyen de comment dire de gérer le truc. Mais le problème c'est qu'il y a Umu, et alors lui Umu s'il décide vraiment de faire chier, t'as aucune chance de t'en sortir. Hein. Allez. Alors j'ai vu qu'il se mettait à droite plutôt qu'en haut à gauche. Ici là. Alors, si on pouvait arrêter de perdre du temps. J'en peux plus là. Je suis censé essayer de perdre le moins de vie possible hein, sur ce split. Hein. Et là j'ai 2 PV. J'en peux plus. J'en peux plus. 2 PV pour la section suivante, c'est chaud. Hein. Je vais perdre du temps encore. Hein. Putain, je vais quand même pas être obligé de me soigner ici quoi. Si, 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 je vais me soigner au moins une fois déjà. Chier. Cool, c'est vraiment pas cool. On va soigner ici une fois aussi pendant que le grillage s'ouvrait. On va essayer de récupérer ces âmes comme on peut aussi. Voilà. Ah, c'est vraiment pas terrible. Hein. Aussi. Bon, les 10% on en a pas, mais... Là, ils viennent m'empêcher de tomber dans les pics, le double saut.
suffisent, pas de fail. Ok, lui il rentre pas, c'est très bien. Ok, bon, ça s'est très bien passé. Et Relidia, comment ça va? J'étais sur une très bonne pace. Puis il y a eu Umu. Comme tu peux le voir sur les splits. Pourquoi tu recules? Oh, il est mort, ok. Qu'est-ce que je fais? Je panique. Ouais, ben ça va, comme quelqu'un qui panique. Et toi, ça va? Et yo Benzine, comment ça va? Respire doucement. J'y arrive pas. Et j'en peux plus, je perds du temps bêtement. Je perds du temps sur de la RNG et ça me frustre. Umu, pour te dire, je sais pas si... Enfin, je pense pas que tu l'aies vu. J'avais 17 secondes en arrivant à Umu. 17 secondes d'avance. Il m'a fait une extra attaque sur le premier cycle. Donc du coup, j'ai pas pu faire le 1 cycle. Parce que j'ai pas pu le placer correctement. Et deuxième cycle, il décide de me faire une deuxième extra attaque. Donc voilà, perdu 17 secondes comme un champion. Double extra attaque, ça fait plaisir. Je crois en toi pour ce PB. Ah, merci! Ah ouais, je peux encore PB. Je peux clairement encore PB. Faut juste que j'arrête de paniquer. Faut juste que le jeu il softlock pas à la fin. C'est tout. Suffit juste ça. C'est gratuit. C'est gauche. Hein. Comment ils font pour bien se placer, se positionner ici, je comprends pas. Même pas peur. Allez, Kiki! Même pas peur. Ah, ça fait deux fois que... Enfin, deux fois. Depuis hier soir. Ça fait deux fois que d'affilée que... Que je relâche trop tôt ici, que j'ai l'animation d'atterrissage. C'était pas terrible. Ah, hein. Oh, 4 secondes perdues sur ce split où c'est juste du déplacement. C'est terrible. C'est vraiment terrible. La France est choquée.
Ici, on relâche, on charge. J'espère que la montée va bien se passer aussi. Pas dingo, mais en vrai je suis pas tombé. Il y a juste un moment où j'ai galéré à taper sur un pic. On va dire que ça va, il y a vachement pire. Ça reste ok. Par rapport à ce que je sais faire. Pas du tout en stress, hein. C'est pas vrai. C'est pas comme si je savais que j'avais 20-25 secondes à gagner sur le boss de fin. Mais que si je fais n'importe quoi, je peux aussi me tuer tout seul. Hein. Allez! Please! Pas de softlock! Non au softlock! Je n'aime pas le softlock. Ne fais pas ça le jeu. Ce n'est pas bien le softlock. Allez, 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 allez. Tu peux le faire. Allez, allez, allez les bleus. Allez, 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 allez. Oui. Ah, j'ai réussi à faire ça, c'est cool. Allez, bon, je me concentre maintenant. Il a pas fait le temps de crier, donc ça a l'air d'être un bon boss. Allez, le sub 54. Allez! Ça va être juste. Ça va être très juste. Allez! Allez! Allez, 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 allez! 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 Non! Non, please.
51 centièmes. Je suis trop triste. Non, je suis quand même content. Mais merci, merci pour les GG. Merci, merci. Quelle tristesse, et oui. GG, le passe à 54, et oui. T'avais pas perdu de temps sur Monomone. C'est la RNG en plus, j'ai pas rien. C'est pas ma faute, à moi. Pardon. Ah, je suis dégoûté. Enfin, je suis dégoûté, je suis content, hein. Je suis juste dégoûté pour le sub 54. Mais voilà, Umu, j'avais dit, hein. 20-25 secondes à gagner, j'en ai gagné 18. Il y en a encore 9 dans le best possible time. Et encore, je pense que j'aurais pu aller plus vite, parce qu'il y a plein de hits qui sont un peu partis dans le vide. Mais bon. Il y a Era où je perds du temps un petit peu aussi. Il y a quoi d'autre? Le début de la run est bien en vrai. Le début est plutôt correct. Ça veut dire que ça va être dur de rester dans le vert au début maintenant. Les Watchers, ouais, il y a un peu de temps à gagner sur les Watchers. L'ancien bassin, il y a le tunnel spike, j'ai réussi au troisième coup. Donc là, il y a du temps à gagner aussi. Je me tape une Hornet encore fabuleuse. Ça va encore être hyper dur à battre comme temps, ça. Humus, j'ai 38 à 40 secondes à gagner dessus. C'est vraiment... Là, maintenant, si je veux PB, en vrai, il me faut un Umu, un cycle. Ça devient quasiment obligatoire, maintenant. Si je veux faire un gros PB d'un coup. Je perds du temps sur la montée, aussi. Bon, il y a quand même du temps à gagner un peu partout, hein. Mais c'est vrai que là, j'ai intérêt à être solide sur les boss. Hein. Entre Hornet 2 et The Hollow Knight. C'est pas gagné. Eh bien, je suis content quand même. 54, c'est cool. Mais moi, je voulais être en dessous. C'est pas grave. C'est le jeu. RIP la vie.